Hey salut tout le monde, c'est Madame Zoom! Aujourd'hui un autre épisode de GTA RP, oubliez pas de vous abonner puis de laisser un gros like si c'est pas déjà fait. Bonne vidéo! On a pu... Attends, on nous reste quand même un choix là, on va appeler un taxi voir. Vite Chris. Bon, on va voir si ça vient, un taxi. On est tellement... J'ai plus d'internet, esti de merde! C'est à cause que t'as plus d'électricité, névrose, ou c'est à cause que... J'suis fucking modo sans le savoir, est-ce que c'est bien toi? Ben là, tu pensais-tu que j'allais te laisser modo chez Gamers pis pas chez nous, man? Wow! Fuck, les orages sont trop intenses, j'avais mieux fermé. Ah, ici, y'a pas tant d'orages. Hey, ça a-tu dit que ça allait arriver ou non? Fuck, j'ai manqué. Faut que je regarde, là. S'il y a quelqu'un qui s'en vient ou non. C'est quoi le lien Discord que je fasse une job qui a de l'allure? Qu'est-ce que t'as contre mon Discord? Il est genre fucking bon. Bitch! Le lien Discord il est en bas dans la description. Ou tu peux faire aussi point d'exclamation Discord. Personne peut venir. Bon, il nous reste juste une seule solution, hein. C'est du monde à soir, il y a du monde. Il reste juste une solution. Voilà un char. M'excuse! Là, il y a une affaire pour que... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais voulu ça! L'instant karma! C'est un char volé, oui! Oh non! Dis-moi pas, j'ai encore me ramasser en prison! J'ai rien fait! Il y a quelqu'un qui est mieux de venir, là. Il y a une ambulance qu'il faut qu'il vienne, là. Non, 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 non. Ça, je peux pas craindre, est-ce que c'est de la merde? Je suis morte dans mon véhicule en feu! Aidez-moi quelqu'un! Attends, Gladys s'en vient chercher avec la Pussy Wagon. S'en vient-tu pour vrai, Gladys? Viens me sauver! Oh non! Le proprio du truc s'en vient. Tabarnak, que je m'étouffe tellement je rigole. Oh my god, non! Je peux pas craindre. Genre, j'ai pas eu de... Il doit y avoir des ambulanciers en ville, là. Sérieux, j'ai pas fait exprès foncer dans la station de gaz. Edgy, man. Oh non. Alors que le garage pour prendre un char est juste derrière? Tu me niaises-tu? J'y crois pas. Y est-tu déjà derrière? Ça donne aussi en plus tabarnak, voyons, Sandro l'exagère. C'est la canicule ici, donne pas chaud aux gens ici. Vive l'air climatisé, man. Hey, je peux pas craindre que je pogne ici. Je peux pas croire qu'il y a pas d'ambulancier, là. T'as peur, là. T'as peur, là. Je vais aller... C'est où donc, dans le RP? Appeler des ambulances. Parce que ça dit pas que personne peut venir, là, gang de motadis, là. Faites donc votre job un peu, là. Cibole de merde. Cochonnerie de dompe. J'espère que j'avais pas, genre, plein de cash chez moi, je m'en rappelle plus. Mais sans, ça faisait un bout, j'étais pas allé en... Ça faisait un bout, j'étais pas allé...
Mais pourtant, il y a des médecins, là. Ah, sont là! C'est nécessaire. Il faut que je délite mon affaire. Lundi RP kill. Une tentative. Ça me tentait. Brûlé! Brûlé! Une cherche. Brûlé! Il me cherche. J'entends pas qu'est-ce qu'ils disent, c'est normal. Je les entends pas parler, genre pour moi mon setup de son est mal fait. Non, en allez-vous pas! Sont-ils partis? Sont pas partis! Revenez! Oh non! Oh, faire un autre appel. Je les entends même pas parler. Il me voit-tu, là? Les gens ont une sérieuse tendance à t'abandonner à ta place, je me pencherai là-dessus. Oh non. Syndrome de l'abandon chronique. Ça fait chier là, j'ai quelque chose de mal setupé dans mes affaires pour pas que je les entende. J'entends les bruits par exemple, puis je peux pas faire escape quand je suis. Je peux pas aller arranger mes paramètres. Lundi RP c'est ben rond ça, ben oui c'est rond, ça me tentait une petite folie là. Petit stream. Tranquillos. Fais chier, je vais tout perdre. Puis là, pourquoi t'es là? Ça me tentait. Ah, oh, ok, pourquoi je suis dans un char brûlé? Il y a un beau clip, Machi, si tu veux voir, c'est merveilleux. Un bonheur, là, à regarder. Un bonheur de début de stream. Si je fais un autre appel, ça marche-tu? J'essaye, là. Faut qu'ils prennent l'appel, je pense. Ok, attends, je me fais parler sur Discord. HRP, enlève et me remets ton haut si t'en gagnes 4-4 ou déco reco. Ou déco reco. Enlève ton haut, je peux pas enlever mon haut. Personne, je l'ai. Ok, ouais, ok. Ok, ça marche. Aïe aïe, esti! Allez, on va. Venez avec moi, on va s'écarter. Aïe aïe! Esti que j'ai Allez. mal! Chance, les pompiers y arrivent. Bah oui. C'est quoi votre dernier souvenir? Enfin, déjà, comment vous vous sentez, madame Ben, il me Gagnon? sent... Brûlé là, esti, je comprends rien là. Je me suis réveillée, je sais plus, esti. On va vous emmener à l'hôpital. Oh non. Je peux conduire à Metz parce que. Ouais. Moi non, quoi. Je touche plus le volant de cette merde. Je vais vous aider à monter. Oui. Voilà. Merci, vous êtes bien aimable. Ah,
On va s'occuper de vous rapidement. Hein. Vous avez des brûlures étendues sur une grande partie de votre corps. On va vous donner des antidouleurs dans un premier temps, puis on va traiter ça là-bas. Merci, là, ça fait tellement mal, est-ce que ça brûle là? Normal. C'est bon, tu vas se calmer un petit peu avec les antidouleurs et puis on va. N'inquiétez pas. Respirez calmement. Non, calmement, j'ai dit. Ok, je vais pensez à quelque chose qui vous détend. Je pense à Serge Andetaz. C'est très bien. Pensez à qui vous voulez du moment que ça vous détend, le temps du trajet jusqu'à l'hôpital. Oh, pardon, je veux juste ça maintenant. J'ai un texte. C'est Gladys, t'es en ville, j'ai quelqu'un à te présenter. What the fuck? M'en viens de chercher ta bande de côte! Merci! Cochonnerie! Bon. Ma guidoune se retrouve encore à modérer. Ben là, si, ça a l'air que j'ai de la compétition aussi, pis à Grant Modo mes meilleurs viewers, à un moment donné, si, on y va ou on y va pas, là! Ah, et j'ai tellement envie de faire du karaoké à soir, vous comprenez pas à quel point. Est-ce que j'ai envie de faire du karaoké? Après m'être guéri de mes brûlures, là. C'est pas un karaoké sexy, là. On est arrivé, Carson. Je vous aide à descendre. Merci. Je t'aide, après j'irai garder. Qu'est-ce qu'une salle est occupée? On va y aller. Oui. Oui, j'y vais. On va vous aider. Madame Zoom Forever, kill you real. Sauf quand je suis allé à stream. Tu vois là? Chacun votre compétitrice, esti. Zoom a un peu de Sandra quand même. A dit ça là, je veux pas. D'autres danseuses avec moi sur la scène. Exactement. Exactement. C'est la même chose. C'est tout le temps l'hôpital. On va vous installer ici. On va vous. C'est pas dans le sens là que je pousse. Voilà. J'en fais jamais des. Voyons, calisse. Ok, allongez-vous, on va vous mettre un masque pour vous anesthésier et on va s'occuper de vos brûlures. Merci. Voilà, respirez calmement dans le masque. Et on vous retrouve après l'opération. Il y a quelque chose pour t'aider, garçon. C'est un peu ce qu'on fait dans ces cas-là. Donc c'est marqué dans les protocoles, hein, Rames, pour les cas de brûlure. Type de brûlure, premier, deuxième, troisième degré. Là on est sur du 2 et 3. On est sur du deuxième, il s'agirait d'appliquer une crème cicatrisante en évitant les cloques. Et pour les troisième degré, la tissu est trop endommagée pour qu'on puisse faire quoi que ce soit, donc on retire les tissus endommagés et on... Okay. Et une greffe de peau. Une peau très très fine. On voit une greffe de peau. De pansement occlusif. Donc on va commencer ça tout de suite. On prépare le matériel. Pourquoi une greffe de peau? Voilà. Bon. On a anesthésié avec lui, donc tout ce qui est crème donc. Reçu. Je sais pas pourquoi je pointe quand je t'assis, genre. Donc tout ce qui est crème. Cicatrisante, applique ça sur les brûlures au second degré. OL stream, bye! Ok.
On va lui retirer ses vêtements et au niveau du torse et du dos, on a des brûlures au troisième degré, puis je vais m'occuper de ça. Ok. Applique la de sortir son dossier. Il est pas à jour mon dossier, il va encore me chicaner. Il est pas à jour mon dossier. Venez pas me chicaner. Oh, cette toune. Eh hey, quoi, Gladys, elle stream? Ah bon, ben, bonne nuit. Waouh! Ah. J'ai plus de viewers fidèles, Steve. Il me reste plus personne. Ah, il reste Machi. Mais Machi est pas là quand Kepik stream, fait que c'est pareil. Marie-Pierre est vraie. Marie-Pierre, c'est une vraie. Marie-Pierre, c'est ma real. Waouh! Waouh! À lui greffer une partie. Québec Dark aussi, il est real. Sur des parties qui sont trop brûlées. D'accord. Si je t'arrive à me faire greffer de la peau, l'arrêter, là. C'est sérieux. Hein. Et ensuite, sur les parties comme ça, on va. Man, je devrais être Grant aussi, Modo, ici, Machi. Tu fais de la bonne job, Modo. Hein. Simplement rendre les. Des blessures, enfin. Tout le monde va être modo ce machin, tu vas être une chaîne en modération. Les gens-là peuvent pas être au contact de l'air libre parce que c'est beaucoup trop fragile. Okay. Et suite à ça, avoir 20 jours d'arrêt, tant que ça cicatrise, hein. 20 jours d'arrêt durant lesquels il faut conseiller à la victime, même pas conseiller, c'est obligé, à porter des vêtements amples. Oh pour non éviter les frottements. Oh non faut que j'ai fait les frottements Faut que je fasse. Un souci avec les brûlures. Et les blessures en général. Ok. Oh non! Je pourrais plus m'habiller sexy, faut que je m'habille ample! Puis que si je danse, j'évite les frottements! Pour ma part, c'est bon. Au niveau des avant-bras, les brûlures sont assez superficielles. C'est principalement le torse qui a été touché dans cette histoire. Oh non, mes boules! J'ai les boules brûlées! Elle devra peut-être passer faire un tour chez le coiffeur aussi, parce qu'elle a perdu pas mal de cheveux. Oh non! Ça arrive souvent, ouais. Hein, des cas de brûlures comme ça. Mes cheveux! Je sais, ça m'est arrivé une fois. Oh non! J'aurais plus de cheveux! Oui, t'avais un abonnement, toi, pour ça. Plus de fourrage! Plus d'habillement sexy! Plus de cheveux! Hey RDBE, comment ça va? Hey, c'est moi qui transmettais les messages pour un match de tennis parce que c'est moi qui voulais aller te parler durant ce temps-là. Non, c'est vrai, Machi. Machi a fait une bonne job. Après, je vais peut-être essayer d'appeler un mécano pour réparer le SUV. Ouais. Hey, non, on réparait pas le SUV. Voilà, c'est bon pour ça. C'est un. On y dira pas que je m'en crise de ce champ-là. Je vais faire une radio quand même. Ok. Oh non. On revient. Oh, le RP cette semaine, ça va être un RP de grosse mamie. On est toutes brûlées. Puis Névrose, y'a plus d'internet, esprit. Hey RDBA, je sais pas pourquoi je suis toujours ramassé à l'hôpital, je voulais pas exprès. Reçu, on laisse. Là j'ai eu un accident dans le char, je me suis toute brûlée. Là je me fais faire une greffe de peau là, en ce moment. Je là. Vais lui mettre un...
Perfusion, on pouvait lui donner des antidouleurs, des inflammatoires. Après l'anesthésie, elle se réveillera dans quelques minutes. Tant que je remplis son dossier. Sandro voilà. Et tout. Sa mère n'aura pas payé le bill. Non, il a commis des éclairs, il a perdu l'électricité. Carapate! C'est quoi ça, ce mot-là, McDoon? Carapate! Ça, c'est des mots de Québec, esti. Un abonnement à Carte Soleil. Hey, au moins, elle les paye pas pour rien, ses taxes. C'est bol de don. Les impôts, ils servent à de quoi, là? Salut, Tuxedo, comment ça va? Carson, pour le rapport, comme elle était dans un camion qui a brûlé, je mets autre ou je mets accident de voiture? On met accident de voiture. Ok. C'était tout un accident de voiture. Salut, Rébédon! Bonsoir, je veux dire. Ah ben. Il fait encore clair d'or ici. Hein. Même si c'est 8h du soir. Allô, madame! Ouais, l'arrêt est fait. Oh putain, faut que je mette la date. Quand tu changes la peau et tout, c'est une opération. Donc quand t'as fait radio aussi, c'est radio plus opération. Radio, opération, oui. De toute façon, j'aime qu'on fait une opération. Enfin, ouais, on fait une opération. Enfin, moi perso, je la fais jamais sans une radio ou un scanner ou quelque chose. Parce que bah, forcément, tu vois pas ce que tu fais sinon. Enfin, bon, moi, je sais pas comment dire autrement. Mes patients sont toujours contents. Ils repartent sur leurs deux pieds avec un petit chocolat. Ah, genre un chocolat, yes! Mais en commentaire, je mets quoi? Les pieds d'un plat, genre? LS4. Ouais, ça. Avoue, hein, mais il y avait ça pas ça la police à côté. Avait... Après, vu que ça explosait de partout, je dis pas. Mais... Ouais. Ouais, mais tu pompes précises brûlures et tout, ou pas? Bah oui, moi, ça se passe bien, ça, madame. Ça, je l'ai mis dans le dossier, donc ça y est. Si j'avais juste envie d'aller faire du karaoké en plus, c'est bad. Fucking bad. Genre, vous allez voir mon look, là. Ah, oh, ça doit être terrible. Le look de Sandra. Sandra brûlée. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ah! Elle devrait se réveiller maintenant. Est-ce que j'ai mal? Aïe aïe! Qu'est-ce qui est arrivé à mes boules? Oui, alors, vous touchez pas. Vous ne bougez pas, c'est normal, vous avez été victime d'un accident de voiture dans lequel vous avez été brûlé au deuxième et troisième degré sur une grande étendue de votre corps, troisième degré sur la quasi-totalité de votre torse en fait. Hein. Et au niveau de vos bras et vos jambes, vous avez eu des brûlures au second degré qui ont été traitées par mon collègue. Aïe aïe, tu t'es gâté donc, toi et mon cochon! À ce niveau-là. Oh, non. Pas tellement gâté, croyez-moi que... Ouais. Ah non. Vite fait, hein. Ouais. C'est pas contre vous, hein, mais c'est voilà, les brûlures, tout ça, c'est pas spécialement propre. En tout cas, là, je suis rendu chaude pour de vrai, hein. Alors, vous verrez pour une perruque ou quelque chose. Oh non. On vous laisse vous débrouiller à ce niveau-là. Alors, dans vos conditions, vous allez avoir un petit traitement, vous donner une ordonnance, que anti-inflammatoire, antidouleur, antibiotique. Et toute la musique pour que vous puissiez vous rétablir convenablement. Vous avez donc 20 jours d'arrêt de travail, donc ce sont 20 jours de natif. Aïe aïe, 20 jours! C'est maintenant. C'est des brûlures assez graves, ouais. Tabarnak! Qu'est-ce que je dois faire pour gagner ma vie? Ah, mais écoutez, je sais pas s'il y a du travail administratif que vous pouvez faire là où vous travaillez, j'en sais rien, mais. Oh my god, est-ce que tu vas être poigné? Je sais pas quel travail vous faites, mais si c'est physique avec les brûlures que vous avez. Ah, calice, vous pouvez pas réduire quoi. Ça à 10 jours, là, monsieur, là, esti. Je suis pogné, là. Je peux pas danser pendant 20 jours, esti. J'ai eu un petit gars à nourrir, pis tout, là. Un peu de pitié. Ben, je veux bien, mais j'en ai, là, vous voyez. Parce que les brûlures 3e degré, c'est pas rien. On a dû vous greffer. Une greffe de peau sur certaines zones. Tabarnak, je t'ai défiguré du torse!
Oh non. La cicatrisation, ça devrait aller un petit peu mieux. Puis bon, puis il y a des chirurgies. Des chirurgies pour reconstruire ça convenablement. Mon compte est pénis. Et c'est vraiment le plus beau que vous pouvez me donner, c'est 20 jours. Je peux descendre à 14. Ah oui, s'il vous plaît, mais un peu de pitié. Je vais pas là. Descendre en bas, toi. Un peu de peur, oui, 14, s'il vous plaît. Fuck. Oh non. À l'issue des 14 jours, si vous avez mal, si ça saigne encore, si je sais pas, les blessures qui se pointent, j'en sais rien. Oh my god, dégueulasse. Vous ne faites absolument rien, voilà. Vous ne faites absolument rien, vous revenez, on vous prolonge votre arme. Parfait. Parce que ces trucs-là, ça cicatrise lentement. Et ça doit bien cicatriser calmement. Ça, vous pouvez pas. Oh, ma tête bien calme. Parce que des blessures hein. Comme ça cicatrisent. Voilà. Inquiétez-vous pas, là, ma tête calme. Je vais peut-être le réparer aussi. Pardon? Non, je disais son biper d'urgence, on serait peut-être le faire réparer. Oui, on a eu peut-être un souci avec votre beeper là. En fait, il nous a fait une quantité incalculable d'appels et ça nous. Faudrait voir ça, éviter que ça recommence. Eh oui, c'est bizarre, Chris. Je pesais pour appeler, puis ça appelait pas comme, je le voyais pas. Vous comprenez-vous l'alerte que ça l'a faite, genre? Ouais. Non, je parce comprends qu'on a reçu quasiment 10 appels. Le souci, c'est que. Ouais. Ah oui, dans le fond, ça vous les envoyait, mais ça me le disait pas. Ça disait pas que quelqu'un arrivait, ça disait pas que ça avait envoyé quelque chose. C'était vraiment là. Mais je pense que c'était quand j'étais pris dans le char, fait que je voyais pas, là, tu sais. Ouais, c'était possible. Hein. Mais la prochaine fois, je vais essayer de me défaire comme je peux, là. C'est pas évident, là. Mais en tout cas, merci d'être venu, hein. Bah, c'est notre travail, alors attendez. Ouais. Essayez voir de vous relever un petit peu. Déjà. Voilà. Vous vous sentez comment à ce niveau-là quand vous vous tenez debout? Ben, je vous avouerai que ça tire, hein? Ça tire d'un boule, mais pas d'une façon agréable. C'est normal, oui. Oui, c'est normal. Avec le temps, ça va passer. On vous a mis des antidouleurs, vous prenez votre ordonnance et. Et bon, va falloir faire avec, malheureusement. Maudit. Je vous donne ça aussi. Ah, ça c'était aimable. Voilà. Madame Chicolo. Donc c'est vraiment pas mal de repos dont vous allez avoir besoin. À la rigueur, je vous conseille même de passer un peu de temps avec un ou une amie, hein, peu importe. Ah oui. Ce serait préférable que vous passiez pas de temps seul. Ah, je l'ai justement parlant d'amis, est-ce que ça tombe bien? Sandro! Excellent. Oh, comment hey, ça va? Ça va pas super, reste, check pas mes boules, là, je suis toute gênée de ça, là. Je suis brûlée, là. Brûlée au 50e degré, qu'ils ont dit, là. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de voiture. Proximité d'une pompe à essence et brûlure. Troisième degré au niveau du torse. Arrière et avant, et second degré au niveau des bras et des jambes. Mais c'est pas possible, c'est quoi, tu étais trop caliente avec les messieurs dans la voiture ou quoi? Je le sais pas, mais là, comme j'ai dit, je suis rendu à très caliente avec la pompe à essence. Hein. En tout cas, ton beau visage, il est toujours pas défiguré, ça c'est la bonne nouvelle. Oui, hein? Ça au moins c'est pas pire, là, il va falloir que j'aille me refaire faire les cheveux, là, puis que je me trouve d'autres linges à ce qui paraît, parce que je peux pas rester tight, puis... J'ai perdu plein de cheveux, ouais, fait les vêtements. Okay. Venez, d'ailleurs, oh là là. On va parler des vêtements. Ah oui. Quand vous avez des bandages un peu partout, oui. Vous ne portez pas de vêtements moulants, parce que forcément, ça fait des frottements et c'est pas agréable, ça cicatrise. Moi, je peux mal. Plus me frotter, du coup, viens avec moi. Ouais, non. Je t'ai fait avec comment, moi, tout doucement. Ah non, moi, il est venu chercher mon ami Sandro, hein. Ah, bon, fait en courant, Voilà, alors... Dans la salle, petite salle derrière, je vais vous laisser vous changer, vous choisissez des vêtements pardon, assez amples. Amples, ok. C'est large, le jogging. Je vous laisse faire. Alors, on remplit ma paperasse à la con. On s'habille ça encore comme la donne, qu'est-ce qu'on... Quand qu'on s'habille, hein? Faut trouver de quoi de vraiment laid pis ample. Ça, c'est quand même laid. Quand on s'habille, c'est pas assez ample ça, c'est quand même tight.
assez ample. Boule à l'air, c'est assez ample! Oh man, c'est quoi donc ça, les affaires de boule à l'air? C'était. Hey, regarde-moi c'est pas pot. Caliente là, ce que tu voulais mettre. Ben ah, non, on se mais voit toujours dans les vestiaires de Unicorn, hein? Je suis pognée, oui, oui. Je sais pas, là, c'est à cause là, j'ai un peu honte de mes boules brûlées, là. Faut que je trouve de quoi de honte. Oui, je comprends. Dit. J'aurais pas le choix que ça soit lettre, hein? Ah, c'est sûr, hein? Si tu veux, je peux te prêter ma peau de cul pour qu'on fasse les implants sur tes boules. Ah pour oui! Que ça soit la vraie belle petite peau de bébé. Ah, t'es fine, esti. Ça, c'est une vraie amitié, hein? Ah oui, tout à fait. Sans toujours les colliers, il est pas oublié. Ah, t'es bien fine. Esti, ça, je pense que c'est assez ample, là. Oui, ça a l'air pas pire. Tu as l'air d'une thug là qui écoute Tupac et qui porte les bling bling. Ben c'est ça qu'il faut hein parce que hein faut que ça soit ample. Salut Alsounou. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah ça c'est bien. C'est bien ah, hein. Ça c'est bien. T'as un peu il y a plein de couleurs en plus ça vient en plein de modèles. Oh oui. Oh, ah. Mon Dieu hey, on arrive à quoi là. Ah, oh, c'est joli, ça! Je pense que celle-là, c'est mon préféré. Ah oui, ça fait toi, hein? Tant qu'à ça, on va me mettre aussi des souliers confortables, là, parce que... Ah, si tu veux, je suis prête à t'accompagner et m'habiller comme ça, là, en tout nu. En tout si nu! Ça peut te faire sentir moins seule. Ah, si ça te tente, vas-y, vas-y, on va peut-être, hein? D'accord, c'est le nouveau style de Unicorn, hein? Hey, en parlant du unicorn, est-ce que je peux plus travailler pendant 14 jours, calice? T'es pas sérieux. Hey, je te jure, est-ce que... Ben voyons donc. Ça a pas d'allure. Hey, ils voulaient me mettre 20 jours. J'ai dealé ça, est-ce que, à un moment donné. Oh Chris. Là là. Hey, on n'est pas dans la construction, hein, est-ce que, on peut bien, hein? Avoué, hein? Putain, ça fait quand même un look si je mets ces lunettes-là avec. Ah, c'est parfait. Un cochon. J'ai un peu des trous dans le chandail, mais c'est pas grave. Bon, écoute, il devait pas être autant dégueulasse que toi, mais il devait quand même me changer pour être moins cochonnesse. Voyons donc, dégueulasse, c'est-tu, il y a quelque chose là, dans mon apparence. Là. Ah, je sais, il était taquine. Bon, c'est-tu, on va falloir retourner voir le bonhomme. Là. Bon. Ben, c'est-tu assez lousse, ça, monsieur? Il n'y a pas ben de beaux vêtements dans vos objets très perdus, est-ce que en plus ça pue l'itinérant là. Oui, ben je sais bien. C'est pour ça qu'on s'habille jamais là, nous. Car mais du coup, oui, c'est très bien. C'est très bien, donc continuez de porter des vêtements comme ça le temps de votre arrêt. Parfait. Rappelle, 14 jours. 14 jours de natif. 14 jours de native, donc de moldu, donc c'est 45 minutes continuant par jour. Que... En fait, le calcul, parce que là, je vous avoue que j'ai la flemme. Hein. Tu m'as sorti, j'ai pris un Sandro. Petit goûter que j'ai laissé. D'accord. Est-ce que j'ai mon congé de l'hôpital, là, monsieur le médecin? Oui, ça, j'ai pas encore accès au dossier patient pour faire les certificats. Oh shit, 5 pièces, mec! Décécutons mon premier sub-pas de jalousie XD Love via XD. Yes, merci! Ça, je pense. Très apprécié. Que j'ai d'ici là. Sandro. Voilà. Sandro, j'espère que t'as pas les brûlures à la vaginale, hein, parce que ce sera pas drôle pour les Pussy Wagon. Hey, je peux pas de frottis, il a dit, là. Éviter les frottements. Ouais, calice. Sinon, on me frotterait en esti, hein. Mais là, je suis brûlé de la noune, monsieur, là, parce que c'est bien important de le savoir. Non. Ah, esti, ça, c'est une... Non. Me semblait aussi que j'avais pas mal. Yes, team zoom, esti! Bien, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses à nous demander? Et cool, Andreamer! Tant que vous êtes là. Ah, ben si tu veux la pousser wagon, c'est 50 000, mais sinon, il n'est pas te demander autre chose. Ah, monsieur, la face de bébé! Non, il ne savait pas que tu étais là! Comment ça va? Tu m'as manqué, hein? Bien sûr. Pourquoi tu appelles la face de bébé, Max? Comment tu vas, Max? J'en sais rien. Ben regarde de son visage, il est tout petit, tout bébé, là, avec ses petites joues. Je m'en viens, je m'en vais pas de problème, madame. Il est tellement beau!
J'ai reçu un coup de poing du paternel, ça va tout bien. Hubert! Hubert! Mais voyons elle donc, est où la poussée bagage? Tout la main où mon amour? Hubert. Merci. Eh, on peut pas. Hein, ah non, ça dit qu'elle va est laisser sortie. En paix. Hein. Elle est sortie. Bon, Hubert, on y va. Ouais, tout la attends, main faut où que je garage. Ah bah viens. Il faudrait aller à quoi first, là, Gladys, parce que ces cheveux-là, tout à moitié brûlés, ça me fait honte. Pas de problème, on va te faire une coupe de lesbienne. Une coupe de Gwyn? Avouez! Hubert, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est où la sortie, là? Ben, là-bas, je sais pas qu'est-ce que tu calisses, là, t'as envie de faire un tour de l'hôpital, mais non. Tu t'es tout énervé toi-même avec tes propos, là, LGBT, calisses. Oui. Savais-tu que j'avais fait une campagne dans le temps, j'étais au LSPD là-dessus? Hein? Ah oui, t'es sérieux? Oui. C'est la campagne pour les LGBTQI queer? Les LGBT2 plus Q barre oblique. Puis j'avais un beau chapeau, esti, tout coloré, là. Puis ah oui. J'avais un beau slogan, c'était... Les problèmes de genre en tout genre, c'est genre non. C'était ça mon slogan. Ah ça oui, pognait. C'est un beau slogan. Oui, ça pognait ah, au oui, bout. Sûr, au bout, au bout. Puis après ça, ben, c'est là que j'ai crissé dehors de la police. Ah oui, parce qu'ils ont pas accepté les choses que je connaisse LGBT, quoi. LGBT, Q+, barre oblique 2, là. Oublie pas. Oui, le monde ici, hein. Moi, là, je suis pas Gwyn, hein. Mais Chris, esti, un moment donné, faut respecter hein, tout le monde, hein? Ah oui, c'est sûr, hein? Écoute-moi, il est sous atout, alors. Si les gens ne m'acceptent pas, là, ils vont être fascistes. Ben oui, c'est ça, fascistes. Les fascistes, ça, c'est un autre assez de problème. Exactement. Ouais, ben maudit, ça, tout il est ça. Sous, hein. Il est sous vraiment des... Parce qu'il voulait te montrer la Pussy Wagon avec toutes les modifications qu'on a fait. Il a même rajouté les klaxons dessus. Mais là, monsieur Hubert, là, a égaré mon véhicule. C'est vraiment un connard. Ah, je sais pas c'est qui Hubert, mais ça a l'air d'un esti, hein. C'est un policier, là. C'est un esti, oui. Ah, oh, ouais, les crises de celui que... policier. L'ami de Max, là, Nielsen, le petit pot de bébé de lait. J'y connais sûr pas qu'il eux a autres. Encore ses dents de lait. Ah oui, il a ses dents de lait encore. Il est puceau et tout là. C'est pas ah, possible. À son âge. Il s'est pas encore trempé le pinceau. Ah non, en tout cas, pas dans Gladys, hein, parce qu'il m'aime pas du tout. Pas dans Gladys. Bon, si, j'espère qu'elle va pouvoir me faire de quoi de pas pire. Calice. Ah oui. Salut Madeleine! Bon, esti, fais-moi de quoi de pas pire, là? T'as vu qu'est-ce qu'ils m'ont fait à ma tête, esti, là? Avoué, il va t'aider à choisir. Oh! Tu fais la lévitation maintenant? Ben non, je suis bien assis confortablement, là. Avoué, ah, parce que moi, là, c'est peut-être le LSD que j'ai pris plus oh tôt, non, mais tu es bien au plafond, hein? Ah oui! Ah ben c'est comme quand tu choisissais ton char, là. Moi aussi, le LSD faisait effet, hein. Pourquoi j'ai une barbe? Ah oui. Elle sait pas pourquoi, mais la coiffeuse, elle veut me faire pousser une barbe, là. Je comprends pas le trip, là, mais... Ah, je sais! Elle essaie, là, de nous mettre en homme, là. Elle est conne. Tabarnak! Elle m'a amené, hein? Je comprends, j'ai plus ben de cheveux, là, mais il y a une limite, là. Oh non. Ça ah, fait genre il faut que ce brûler. Soit court, hein, pour tout enlever les brûlures des cheveux, oui, pour que oui, ça repousse oui, bien. Oui, j'y ai dit, il hein. Faut que ce soit... très, très court, hein. Oui, oui, j'y ai dit. Le plus court que tu peux. Oui. Je comprends tout ça, hein. Laisse-moi ça un peu, là. Quand... Ah, ça, c'est beau. C'est une belle coupe. Je vais quand même faire une petite teinture, là, tant qu'à être là. Hein. Avouez, hein. Je sais pas. Oh. Si tu veux. Hey, je si tu veux, il t'accompagne dans la coupe aussi, hein, pour guise d'amitié. Ah oui, t'es prête à ça, hein, Chris, ça fait pas beau bébé. Ah oui. Oh non. Y'a plus personne qui va venir au Unicorn, hein. Ah, si bol de merde. Paula, elle sera tellement pas contente, là. Je pense que je vais être obligée de garder ma même couleur, parce que sinon on me reconnaîtra pipant à toutes. Ah oui, c'est vrai, hein.
Parce que là, j'avouerai que je me ressemble plus, hein. En plus, avec la moustache, là. Ah oui, belle moustache. Ah, ta voix, là, ton LST, il a arrêté de faire effet, là. Oui. Ah non, t'es toujours en lévitation, mais il voit la moustache. Ah, oh, tabarnak, comment qu'on fait enlever ça? Ah oui, ça c'est mieux. Non, tu touches à rien. Elle va te l'enlever, c'est parce qu'elle a mis la fausse moustache, mais quand tu quittes la chaise, elle l'enlève. Ok, fait que je peux me regarder de même, puis il se passera rien. Ah oui. Ah, les sourcils, tout va bien à ce moment. Ah, c'est drôle, hein? Ah oui, c'est bien comique. Bon, je pense qu'on a quelque chose de pas pire, là. Pis, qu'est-ce que t'en penses? Là, elle a fait ce qu'elle pouvait, là. Ah, mais elle a quand même gardé long, mais ses côtés, hein, c'était pas mal brûlé, hein. Pas mal brûlé, ses côtés. Hey, j'ai encore mon esti de barbe, tabarnak! Elle m'a pas dit! Elle me l'a pas enlevé! Range-moi ça! Ah, pourquoi elle me l'a pas enlevé? Ah, c'est dégueulasse! Ah, ok, c'est beau, elle me l'a rasé, là. Hey, la tabarnak, cascade, mais si je comprends que j'ai des hormones dans le tapis, là, pis que ça me fait pousser un couple de poils sur le menton, là, c'est pas une raison. Et non, on garde pas la barbe. Bon, je pense que je suis pas pire, hein. Est-ce que tu te sens à l'aise ou tu te ressentirais plus à l'aise qu'il y fasse la coupe aussi, ou comme ça, c'est correct? Ah, ben non, faut bien qu'il y en ait une de belle de nous deux, là, parce que là, calice. Sinon, on fera plus les profs. Là. Ben là, c'est ça, j'ai l'air de n'importe quoi. Là. On dirait que je suis plus à l'aise avec mes lunettes. Là. Ah, si tu veux, on va les enlever au magasin. Hein? Ah ouais, les lunettes, je pense que ça le fera pas. Hein? D'accord, on va là. Calice, ça match pas avec les cheveux. Est-ce que ça pique avoir les cheveux courts de même? Ça a plus de sens. Oh my god, si ça, je vois ça. Je sais, et Paula, es-tu en ville? Je vais faire pipi dans mes culottes! Ben voyons, esti, y'a plus de respect ici, Chris! Là, ça va repousser, on dit, là, après 2 semaines. Aïe, aïe, yes. RP grande brûlée, pas le choix, faut jouer la game. Écris-lui pour lui dire. Es-tu en ville, Paula? Moi, essayer d'appeler Paula, voir si. C'est épouvantable! Ça n'a pas d'allure, faut lui dire que je suis plus en état là, de travailler. Ah oui, c'est sûr. Hein? Oh là là, c'est pas possible. Mais comment ça t'est arrivé? Tu t'en rappelles pas? Tu as perdu connaissance? Je m'en rappelle plus ben, mais est-ce que... Allô? Paula? M'entends-tu? Allô? Je t'entends pas! Chris, ça m'entend pas. Allô? Tabarnak. Ça marche pas? Allô? Je comprends pas, le téléphone marche pas, c'est-tu? Je m'en réessayais, là, peut-être dans le char, elle entendait rien. Il a peut-être brûlé avec toi, là, quand tu as brûlé, je sais ben pas non, comment. Ben non, si, je t'ai contacté tout à l'heure, ça marchait, je t'ai texté. Ah oui, c'est vrai. Peut-être le micro, il a oui, fucké, oui. Là. Peut-être. Allô? Paula? Oui. Ah, oui, si, je t'entends, calice, ça marchait pas tout à l'heure, je comprends pas. Ouais, non, ça marchait pas tout à l'heure. Ouais, t'es dans quel bout, là, en ce moment? Là, je suis à la ferme, pourquoi? Ok, il faut que je vienne te parler, ok, j'arrive, c'est bon? Ouais, si tu veux. Ouais, pas de problème. Ça sera pas bien. Parfait, merci. Je suis à l'emballage. À l'emballage, ok. Tout de suite. Ok, bye. Sais-tu c'est où l'emballage? Qu'est-ce que tu calais, c'est une laisse ici? Ah non. Calais, ça t'a peu. Ça passé où? Faut que j'aille enlever mes lunettes. Attends. Ah, c'est mieux avec rien. Ah, je pense pas que c'est pas mal mieux pas de lunettes, hein? On voit mieux les beaux yeux, ça met en face. Bon, là, je pense, la ferme, ah, la ferme. Oui. T'es-tu déjà allé à la ferme? Ah non, je suis pas allé encore. Je pense que c'est quelque part là.
D'accord. L'emballage, après ça, c'est un autre temps. Ah, d'accord. Avant, on va aller voir si la poussée wagon, elle est toujours au garage. Ensuite, on va aller à la ferme, parce que ce serait fun qu'on aille là-bas et qu'on fasse la promotion de tout, là, tu vois. Ouais, oui. Et ça mettrait l'attention sur autre chose que bon, que ton accident et tes brûlures. Oui, c'est sûr. Sauf que, j'espère que Paula le prendra pas mal. Ah ben pourquoi elle prendrait mal? C'est pas ta faute là, ça fait mal, c'est pas toi qui a décidé. Ça fait à peu près une heure, maman, tout, comme c'est commencé. D'être comme ça, hein. Tabarnak! Oh, calme-toi, esti, là! Il a dit qu'il fallait pas choisir. T'aimes-tu mieux que je conduise? Envoie ce que c'est. Non, c'est correct là, le LSD fait plus effet. Ouais, paye sur le gaz, esti, on s'en calisse de la police, là. Avouez, la police pleine pisse, là, c'est terminé. Ouais, ils mangent la merde, eux autres. En plus, ils sont toujours sur mon dos, ils veulent toujours arrêter moi pour les choses, là, c'est dégueulasse. Ah oui, non, c'est des calices, eux autres. Avoue, on dirait que j'ai changé de sexe, ça n'a pas de chance. Oh, laisse-moi voir ça. Non, c'est seulement l'ancienne Pussy Wagon qui est là, alors on va y aller avec celle-ci, hein. Tu veux-tu que je prenne le mien? Le tien est tout raboté, là. Ah, attends, oui, il avait le mettre au garage avant. Que tu es correct pour conduire? T'as ben pas oui, trop mal je suis pas handicapé, là, mais non, ils vont y aller, là. D'accord. Parce qu'au moins comme ça, là, si on roule vite, ça sera pas toi qui va tout pogner. Ah oui, t'as raison. Hein. Je pense et à toi, toi des de toute fois. Façon, ils te reconnaîtront pas. Ben c'est ça. Ah, mais si. T'as demandé, il y a des avantages, là. Moi, je te dis, si on se fait pogner, je continue. Hein. Je comprends qu'ils connaissent ah, le oui, char, mais sûr, hein, hein. Je peux me l'être fait voler. C'est ça, tout à fait. Mais là, moi, ils vont reconnaître moi, par exemple. Ben non, là, penche-toi dans dire, le char. Ah oui, Gladys. Penche-toi dans le char, ils te reconnaîtront. Ah, parce que... D'accord, bonne idée. Ben oui, là, c'est pas toi qui conduis, là. C'est quelqu'un de dégueulasse, esti, avec des pantalons roses pis une esti de crête. Ah non, t'es pas dégueulasse. Ouais. Tu es juste toi-même, hein. Calisse, esti. Arrête, là, c'est pas très bien, là, pris, ça, là. Ah, y'a pas les... T'as-tu vu ça, comment je conduis bien, mec, avec les boules brûlées? Hein? Eh oui, on devrait faire les vols de véhicules ensemble, on ferait un succès fou, tu conduis bien... Ah oui, tout, voler là, des serait, chars, ouais, oui. J'ai jamais fait ça, mais je sais pas comment que ça marche, tu sais, revendre ça pis tout ça, là. Moi non plus. Si tu veux, il peut m'informer et on fera ça une bonne journée, là. Ah, moi, n'importe quoi. Pour se faire quelques bidous. Ah oui, n'importe quoi, arrondir les fins de mois, là. Surtout pour les deux prochaines semaines que je pourrais pas danser, là. C'est n'importe quoi, je le prends, hein. Ah oui, d'accord. Il va m'informer auprès de monsieur de la danse. Et puis, il est en repart. Ah, c'est bon, ça. Oh man, Paula, j'espère qu'elle va pas me crisser dehors, là, déjà que je danse tu vois, pas on va fou. Être comme Thelma et Louise, les choses comme ça, là, les madames qui font toutes sortes de cochonnailles. Ah oui, comme les bad girls, là, je sais pas qu'est-ce, là. Oui, c'est ça, Thelma et Louise. Je connais pas ça. Ah oui, ils ont fait je crois aussi qu'ils ont fait les vols de véhicules et ils sont quittés pour... faire les criminalités et ils sont morts ensemble, blablabla. Hey, wow, ouais, morte, esti, je suis trop jeune de mourir, moi, que tabarnique! Ah oui, ah non, ça c'est parce que eux, ils étaient suicidaires, hein, mais... Hey, moi... C'est un film aussi, là. On va y aller tranquillos, là. Ah oui, c'est sûr, hein. Tranquillos, la marmitose, là. C'est dangereux de traverser l'autoroute, la même. Bon, Paula devrait oui. être quelque part ici, là. Alors ça, c'est la ferme à Monsieur Serge, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as reconnais-tu?
ils sont jamais venus, mais il y a ceux qui récoltent les patates ici ou ces choses-là, ils ne savent pas trop ce qu'ils sont. Oui, ils récoltent les patates. Mais je sais pas, il est où l'emballage? Oui, les... J'espère juste que Paula ne sera pas trop fâchée, là. Parce que... Parce que tu sais déjà qu'elle était fâchée, là, la semaine passée, fait que... Pourquoi elle était fâchée? Mais parce que j'ai volé un char de police, puis là, elle a eu de la merde au Unicorn à cause de moi. T'as volé un char de police? Avec Serge. Avec Sergio? Oui, ah, oui. Ah oui, c'était la semaine passée. Oui, c'est ça, j'ai ah, volé. Ah, d'accord. Je comprends pas, il est où l'emballage? Je comprends-tu, toi? Non, il sait pas trop, là. Il m'a peut-être obligé de la rappeler, hein. En tout cas, toutes ces odeurs de ferme là me donnent envie de faire les bruits de la cochonnesse. Ah, c'est pas Gladys, je vais texter. Ah. Cette affaire de cochonnerie, là. Ah, c'est ça, on n'était pas pantoute dans le bon chemin. Là. Ah oui, c'était loin, non? Mais oui, tabarnik, hein? Comment tu veux que je cherche ça, moi? T'es un chat maudit. Oh là là, t'es de frappe. Non, c'est à cause de Serge, ça déteint sur moi, hein? Ah oui. Oui, Paula. Désolée, Sandra, pas pu venir. Ah! Oui, j'arrive les filles. On va discuter dans le coin là-bas. Je vais vous laisser. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, j'imagine que tu remarques un petit changement. Là. Qu'est-ce qui vous arrive les filles? Vous me faites peur. Me dites pas que vous allez démissionner parce que je me suicide. Non, hey, vraiment ah non, pas. Ben, tout hein. Le contraire, Resti. C'est que là, j'ai eu un accident de voiture vraiment très grave il y a de tout cela quelques minutes. Puis j'ai perdu une partie de mes cheveux, comme tu peux voir, puis je peux plus mettre de vêtements serrés parce que je me suis toute fait brûler les boules qu'il m'a dit le docteur. Fait que là, c'est pour ça que je t'habille de même. D'accord. Là, le problème, c'est que je peux pas danser pour 14 jours. Fait que je me demandais si t'avais pas du petit travail tranquille à me faire là, parce que, faut que j'arrondisse mes fins de mois pareil, là. Belle, j'ai rien à te faire faire malheureusement. Bah, tu sais, moi je bosse au Unicorn, je fais un peu de patate une fois de temps en temps et là en ce moment j'en fais pas. Et sinon, le reste du temps, je fais de la plongée, mais je peux pas t'en faire faire. Calice, si je suis dans la merde, je suis tellement dans la merde. Si j'ai l'air du Christ, puis je suis plus de scène, puis je peux plus danser, esti. Je peux pas craindre que ça m'arrive. Bah, après, dis-toi que tu bosseras la semaine prochaine. Et non, c'est 14 jours! C'est... 14 jours de continent ou 14 jours 14 jours, il a pas dit continentes ou non, là. Si c'est 14 jours... Si c'est 14 jours natifs, la semaine prochaine, tu peux retravailler, ma belle. Ah oui? Il a dit quoi, Gladys? Je m'en rappelle plus. Ah, il était... dit que c'était 14 jours, mais il est arrivé quand qu'il avait déjà dit ça. Mais quand il dit ça, c'est natif ou continental, là? C'est pas qu'on... c'est con, on lit, en général, c'est natif, en général. Fait que natif, que ça veut mais dire quoi? Mais vérifie, hein, demande-lui au pire. Hein. Il t'a fait un arrêt médical de travail ou pas? Est-ce qu'il va me l'envoyer? Ah, attends un petit peu, moi, checker. Non, j'ai pas reçu encore, t'sais, j'ai demandé qu'il me l'enveille, là. Et c'est qui le médecin qui t'a soigné? James Black.
promesse. Ah, je sais, je sais pas. Message. Elle a du cul, esprit. C'est quoi les interactions, Lisa? As-tu... ça marche, les gars, je vous rejoins à l'avance. J'ai envoyé un message à Rames, il va me dire ça, je vais aller. Ok. Il m'a demandé de me confirmer si c'était bien 14 jours natifs, mais en soi, si c'est 14 jours natifs, t'as pas à t'inquiéter. T'as juste ce soir où tu pourras pas travailler. Ah, c'est bon ça. Et je confirme, donc tu pourras travailler la semaine prochaine, ma belle. La semaine prochaine? Ah, c'est la bonne... C'est juste du repos pour ce soir. Ah, juste ce soir. Fait que mercredi, je pourrais danser direct. Super! Hey, calme-toi, je peux pas, j'aimerais ça moi aussi faire des simagrées de même, mais faut que je me calme un peu, il m'a dit. Ah oui, excuse, il l'a fait pour toi aussi. Ben, je comprends pas les nativités, soi, y a pas de soucis, hein. Les ouais. Jours natifs, je comprends rien, c'est. Alors j'aille m'informer sur internet, là. c'est 14 fois 45 minutes, Ah. Ce qu'on me disait Rames. Ah, ok. Ah, c'est tout, voilà, voilà. Tout va bien. Hey, Chris, j'ai eu peur en esti, hein. Je pensais que c'était pogné de même un esti de bout. Ah, si tu vas retrouver mes cheveux, j'ai tellement hâte, là. Hey, en ouais, tout cas, pour là... En attendant, cette coupe te va pas si mal que ça, hein. C'est... Tu trouves? Ah non, ça peut-être être... Ah, si, je trippe pas tant que ça, moi. Je trippe pas tant. Dis-moi que tes cheveux repoussent, mais je trouve que ça peut aller encore. Il y aura pire. Non, ah, oui. Il pourrait y avoir pire. Tu pourras avoir tout perdu, hein. Ah, ouais, tu n'as pas chance, l'air hein. D'un vieux chat de ruelle, hein. Tu as l'air plus. C'est ça, elle a l'air de sortir maison. De prison, mais bon, vaut mieux sortir de prison. Ah, que, oui, ah oui, j'ai l'air badass. Hein. Puis toi, t'aimes-tu ça, scorpion? J'ai l'impression que tu sors de tôle. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais cache-cache? T'as-tu peur de moi, scorpion? Check si je fais ça, là, ça fait du peur, là, de même avec ma matraque. Je veux pas mais t'insulter, non, là, mais je vais le dire, puis je vais me mettre à courir. On dirait canu. Ah non, tu le dis pas. Ah non, pas canu, calice. Non, non, esti, pas canu. Je peux pas courir, j'ai mal, esti, pas canu. C'est qui? Attends. Est-ce que tu veux qu'il y ait le paralyse avec mon paralyse? Ah non. Mais non, paralyse, c'est pas. Calme-toi. Mais non, esti. Non, elle sait pas c'est qui, canu. Elle sait pas c'est qui, canu. Calice. Non, il sait pas c'est quoi. Canu, c'était un esti de trou de cul de la ville, là, dans le temps. Il parlait c'est comme ça. C'est Canolingus ouais. Ou... d'accord. Tu peux lui lever ton doigt quand tu passes devant la fédérale. Non, mais tu en passeras et il réglera ça la prochaine fois. Ouais, il est en prison, hein, permanent, là. Ah. Prison à vie. Ouais, lui qu'il a enfoncé un couteau dans ton ventre. Oui, il m'a poignardé, esti. Il avait été rendu transsexuel, calice. Il m'a poignardé. Oh là là. Un esti d'histoire. C'est de même que j'ai pogné mon burn-out, puis j'ai été obligé d'être plus là pendant comme 3 mois, 4 mois, 5 années. Là. En tout cas, je suis native ou je sais pas quoi. Avoué. Hey, un esti d'histoire. Avoué. C'est à cause de lui que je prenais des services à temps partiel. Là. Ça, je m'en suis pas encore remis. Attends, moi, je regarde dans mon téléphone, on n'est pas mercredi. Non, je sais. J'étais venu justement faire un petit tour en ville. Là. Je m'ennuyais à soir. Pis Carlis, j'aurais dû rester chez nous avec tout ce qui m'est arrivé, donc. Ah oui, tout à fait, ça. Ben, c'est en 4 mois, hein, comme ils disent. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pogné, je sais pas, ils m'ont dit que j'ai pogné un accident de char. Pogné le char, pogné en feu. J'ai pogné en feu, moi, ici. Fallait que je me fasse transplanter de la peau. Une astuce d'affaires, là. Ah. Ouais.